Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un haul. Du coup, j'ai fait une commande Shein genre pendant le confinement. Elle est arrivée genre 3 semaines après. Même si c'est pendant le confinement, les commandes Shein, il faut savoir que bah, ça arrive longtemps après. Donc voilà. Et puis en plus, c'est un site chinois, je ne recommande pas trop par rapport à un port export, tout ça, la planète, vous comprenez. Mais bref, j'avais envie de faire du shopping, donc j'ai fait. Petite précision, du coup, je vous ai mis tous les liens des articles en barre d'infos, si vous voulez, avec... du coup, à chaque fois, je vous mettrai les tailles que j'ai pris, mais j'ai pris S partout, parce qu'il y avait des trucs où il n'y avait pas XS, en général, je prends plus XS que S, mais bon, là, il y avait des trucs où il n'y avait pas. Et en barre d'infos, je vais vous mettre aussi mes mensurations, genre tour de taille, tour de poitrine, tour de hanche. Comme ça, ça peut vous aider parce que je sais que les youtubeuses elles font pas souvent ça. Et genre moi, je trouverais ça hyper pratique. Mais en tout cas, tout ça, c'est en barre d'infos, si vous voulez. Du coup, je sais plus combien d'articles j'ai commandé, à peu près une quinzaine. Et ils sont tous venus avec des emballages individuels comme ça. Donc je sais pas du tout si c'est du plastique recyclable ou pas, mais je ne pense pas. Du coup, bah pareil pour la planète, voilà, je vous fais plus des trucs éthiques ou aller dans les friperies. Je vais vous présenter un peu ma commande. J'avais déjà tourné cette vidéo, donc là je la retourne, donc j'ai déjà ouvert les vêtements et tout. Mais voilà, d'ailleurs il y a un t-shirt que vous verrez pas dans cette vidéo, j'essaierai de vous mettre une photo ou voilà avec, parce que il est au sale, voilà tout simplement. C'est parti. Il y a ma soeur derrière la caméra, donc elle va me donner son avis sur les vêtements et en plus, bah on se prête nos vêtements et tout, du coup bah... Voilà, donc si je regarde là, c'est que je la regarde. Donc en premier, j'ai pris ce t-shirt là. Donc je sais plus ce qu'il y a marqué dessus, mais future is in your hands. Voilà. Du coup, t-shirt hyper oversize, hyper long, c'est le but. J'aime beaucoup, bah voilà, ça en été avec un short cycliste ou même en mode pour la maison et tout. J'aime trop les trucs oversize comme ça. Ensuite, j'ai pris ce jogging, donc gris tout simple. Donc il se resserre à la taille, donc c'est cool parce que j'ai une taille fine. Et par contre il est un peu long au niveau des chevilles, mais bon après je peux le retrousser et tout. Et de toute façon bah, c'est pour faire du sport ou de la danse ou juste pour rester à la maison, donc voilà. Je compte pas le renvoyer parce qu'il est quand même cool. Après la matière elle est assez fine, mais ça va, enfin, justement pour l'été c'est cool. Moi j'aime bien, enfin c'est pas la seule matière que j'aime bien, mais... En vrai ça va hein. Genre il y a des matières chines, elles sont vraiment chelou, mais ça en vrai ça passe. Donc voilà, je trouve avec les autres articles que je vais pas tout garder parce que bah, soit c'est mal taillé, soit machin, c'est un peu le risque. Ensuite du coup j'ai pris une jupe longue, je prends pas souvent de jupe longue parce que bah, je suis petite et j'ai peur que ça enrapetisse encore plus. Avec des petits boutons en bois, j'aime trop les boutons en bois, genre je sais pas, cet été j'ai trop envie de trucs comme ça et tout. Du coup voilà, noir fluide comme ça. Je l'ai essayé, elle est beaucoup trop large, je vais vous montrer de toute façon. Voilà. Bon du coup elle est un peu longue, bon là j'ai des chaussettes, c'est pas du tout la tenue adéquate, mais voilà. Et le truc c'est que moi j'ai une taille fine et elle est élastique donc c'est cool, mais elle est beaucoup trop large à la taille genre. Du coup si elle était genre comme ça, en vrai elle serait grave belle, enfin, moi j'aime bien. Ça change de mon style habituel, mais faut sortir de sa zone de confort. Et t'en penses quoi? Bah moi j'adore ce genre de jupe, mais après bah, là, pour la taille c'est pas... Ouais. Et la longueur ça va, t'aimes bien ou pas? Ouais, j'aime bien, ouais. Mais ouais, parce que là du coup, enfin comme ça, ça donne rien genre. Ouais, en plus ça fait... Ouais, c'est bon, ouais, c'est mieux comme ça. Ouais. Bref, prochain article. Ensuite, j'ai pris des articles un peu pastel, genre lilas ou bleu clair. J'aime bien, je trouve que cet été ce sera grave beau et tout. J'ai pris une chemise comme ça, donc elle est bien, mais en fait, genre, elle se noue devant et c'est grave ouvert. Du coup, je pense que je la mettrai soit avec un bandeau en dessous, ou alors à la plage avec un maillot de bain. Ou alors, je vais essayer de la mettre en cache-cœur, je sais pas. Mais j'aime bien la couleur et elle est avec des manches bouffantes comme ça. Par contre, elle est assez transparente, du coup, elle vaut mieux la mettre à la plage ou avec un truc en dessous, genre un bandeau, parce que là, si je lâche, boum, explosion, on voit tout. Bref, toi, t'aimes bien ou pas? Ouais, moi, j'adore. Genre, sur la plage, c'est très bon. Et ensuite, j'ai pris un short en jean. Bon, évidemment, la matière, c'est pas vraiment du jean. Et je sais pas, en fait, ça me perturbe parce que, genre là, ça fait des petits plis chelous. Bref, voilà, ça me stresse. Et derrière, les poches, elles sont trop bizarres. Genre, en mode, elles sont comme ça. Tu vois ou pas? Genre, je sais pas, ça me stresse. En haut, là. Ouais, j'ai... Bref, du coup je sais pas, enfin la coupe elle est chelou et puis pareil il est un peu grand donc après ça se rajoute avec une ceinture, mais bon j'ai déjà plein de shorts en jean de meilleure qualité, du coup celui-là je pense que je vais le renvoyer parce que voilà, flemme. Ensuite j'ai pris un petit haut comme ça, donc dans le jersey j'ai pris aussi du bleu, donc celui-là je l'ai déjà porté. En fait le truc c'est que les bretelles genre elles tombent souvent, donc ça c'est un peu chiant, et si je le baisse trop, enfin après ça tient pas bien.
Et ce qui me stresse, c'est que c'est un peu lâche là. Genre, j'aurais préféré que ce soit vraiment serré partout, quoi, comme un vrai bandeau. Et du coup, voilà. Mais par contre, j'aime bien les petits détails des boutons en bois, comme je vous dis. Moi, j'aime trop. Ça va, j'aime bien. Mais ouais, juste les bretelles, je trouve qu'elles sont un petit peu trop grandes. Et évidemment, c'est pas serrable. Donc voilà. Mais bref, c'est un autre haut. Parce que j'ai pris beaucoup plus de haut que de bas. Parce qu'il faut savoir que les bas chez Shein, j'ai pas trop confiance. J'avais déjà fait une commande. J'avais gardé genre juste un short de sport. Parce que le reste c'était grave mal taillé, bah, comme vous pouvez le voir, moi je trouve ça pas ouf en termes de qualité et en termes de taille, c'est pas génial. Du coup j'ai pris surtout des hauts, donc voilà. Ensuite j'ai pris un haut comme ça, donc toujours lilas. Je pensais qu'il serait plus violet, là je le trouve un peu trop rose, mais bon après c'est mon avis, je sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Je vous cache parce que c'est extrêmement décolleté, je vous vois quasi tout. Et du coup c'est un petit haut qu'on noue devant comme ça. En fait je voulais un truc un peu col carré avec des trucs poussés aux épaules, là je sais pas comment on appelle ça. Bref, et ça j'aime bien aussi. Mais ouais, il est très très décolleté, du coup, je sais pas, ça me bloque un peu. Et puis surtout là, en fait, les manches elles sont très serrées en dessous, genre. Et ça, c'est pas agréable l'été, genre quand tu transpires et tout, enfin, en flemme, je fais pas un dessin, tu vois. Mais voilà, toi t'en penses quoi? Moi j'aime bien revoir le modèle, mais je sais pas, là, je sais pas, c'est bizarre. Après, là, il est pas repassé et tout, mais. Non, mais même la matière, genre. Ouais. Pas. Voilà, c'est des matières chez nous, quoi. Ouais. Enfin bref, du coup, lui, je sais pas du tout si je vais le garder. Je verrai, mais je suis pas sûre du tout. Je sais pas. Pause dans la vidéo. Ok, si t'aimes bien, lâche un like, abonne-toi, commente, tout ça, tout ça. Bref, tu coco les bails. Ensuite, j'ai pris un petit haut comme ça, bleu marine, qui se resserre là. Du coup, je sais pas si vous voyez que le bleu marine, il est. Je suis pas super fan parce que déjà la matière c'est bien, mais il y a des coutures qui sortent de partout alors que bah, je l'ai jamais mis. Et c'est beaucoup trop serré là, genre c'est pareil comme je vous expliquais pour le rose. Moi je trouve pas du tout ça confortable en fait, genre t'as un truc en fait pour ça là, insupportable. Après le modèle est mignon, mais genre franchement je trouve que la qualité et tout c'est pas ce que j'attendais en gros. Du coup voilà, ça t'en penses quoi? En fait c'est toujours pareil, genre le modèle en soi, ouais. Du truc il est beau. Ça rend comme sur le site, mais c'est pas confortable de ouf en fait. Voilà. Du coup vas-y, ça me saoule. Je vous mettrai les tailles que j'ai prises à quoi, parce que comme je vous dis je m'en souviens plus. Mais du coup ça je pense pas que je vais le garder, parce que en fait c'est vraiment les manches qui me bloquent, genre c'est vraiment trop serré. Et puis en plus la couture et tout, je sais qu'il va me tenir que cet été et pas après. Bon après ça à la limite je m'en fous, il a dû me coûter 5 balles mais quand même quoi. Ensuite j'ai pris une jupe comme ça, alors je suis grave déçue, genre peut-être vous voyez pas bien en vidéo, mais déjà la matière genre c'est super fluide, un peu genre, je sais pas comment expliquer, un peu toile de parachute genre. Bref, j'aime pas du tout, elle était censée être serrée comme ça avec la petite fente sur le côté, je pensais que c'était une matière un peu épaisse, genre jupe de soirée vous voyez, pas du tout. En plus là il y a un élastique en haut et je trouve ça super moche, genre ça aurait été plus beau si c'était vraiment genre, je sais pas comment vous expliquer, bref là il y a trop de matière. Enfin vraiment pas du tout ce que j'attendais. Du coup elle je vais la renvoyer, genre même si elle me taille bien la taille, enfin de toute façon je vais jamais la mettre, donc ça sert à rien. Vous en pensez quoi? Moi j'aime pas. De base, je sais pas, genre le motif et tout. En soi, le modèle de la jupe qui sert comme ça j'adore, mais pas avec ce motif. Et là la matière ça fait. Ouais, bah c'était plus beau sur le site. Hein. Ensuite j'ai pris une robe, c'est pas exactement le même. Ensuite du coup j'ai pris une robe, pas exactement le même motif, genre là c'est des carreaux alors que l'autre c'est des, je sais pas comment vous expliquer, bref, une espèce de M. C'est la même matière que la jupe, pareil hyper décevant, genre vous voyez peut-être pas, mais genre là il y a un surplus de tissu de ouf. Alors que c'était censé être genre bah pareil, genre bon. Donc après avoir une équipe avec une ceinture, mais enfin, je sais pas, genre la matière et tout, je m'attendais à un truc beaucoup plus épais. Donc je suis grave déçue, t'en penses quoi? Moi j'aime pas. Ouais, mais ça, ma mère, je dirais une dame de cantine. Genre, pas une dame de cantine, mais genre. Je sais pas, une. C'est dame, c'est pareil, c'est trop large. Attends, prends une ceinture, la ceinture noire large dans mon tiroir. Pour voir, on va essayer. Non, moi j'aime pas. Quoi? Moi j'aime pas. Oh, ouais? Ouais. Attends, je vais regarder. Enfin, j'aime bien si elle avait été serrée, bien truc et tout. Ouais, mais là, non. En fait, j'aime bien ce motif et tout, genre le modèle tout ça, mais vraiment genre je suis grave déçue, il y a trop de tissu. Avec la ceinture vous voyez ça passe mieux, genre moi justement je voulais que ce soit serré à la taille comme ça et tout. Du coup celle-là j'hésite vraiment si je la renvoie ou pas. Parce que je l'aime bien, mais franchement avec la ceinture ça passe, mais je sais pas, ça vaut le coup quoi. Trop bizarre la taille, trop bizarre genre. Ok, ensuite je me suis pris cette blouse, donc ce jean il est à moi. Je
me suis pris cette blouse avec un effet un peu transparent, genre sur les manches et dans le dos aussi, c'est transparent. Mais du coup, voilà, là j'ai mis une épingle à nourrice parce que sinon ça dégotait jusqu'au nombril. Et en fait, c'était mon article préféré. Mais en fait, elle est un peu grande, genre. J'aurais préféré qu'elle soit un peu moins. Là, il y a des petits trucs pour nouer au poignet. Du coup, je sais pas du tout si je la renvoie parce qu'en fait, elle est vraiment fraîche. Mais genre, ouais, elle est un peu grande, du coup, je sais pas du tout. Tu vois, aux épaules, c'est la bonne taille, genre. Le truc, c'est que c'est un peu mal foutu. Bref. Du coup, voilà, mais sinon, j'aime bien des petits boulons, là. En vrai, elle est sympa. Moi, j'aime bien. En plus, cette couleur, elle va vraiment bien au brune, genre. Franchement, le vert bouteille comme ça, moi, j'aime trop, genre, vraiment sur... Enfin, c'est ma soeur, elle avait acheté un petit pull comme ça, genre, et ça lui va trop bien. C'est avec des bijoux dorés, vous voyez, des bijoux en or. Macha luxe, ma soeur. Macha luxe, ma soeur. Et ensuite, je me suis pris un petit short blanc comme ça, avec un petit motif un peu vibe summer et tout. Il y a marqué quoi? Un soleil. Bref, genre, pour l'été, rentrer dans un short et tout, moi, j'aime bien. Et du coup, ouais, j'étais plus satisfaite des t-shirts parce que bah, c'est une valeur sûre, la matière elle est à peu près normale. Puis même si c'est un peu grand, un t-shirt genre ça va, tu vois. Après, prenez pas plus petit que votre taille, ça sert à rien, prenez votre taille, genre. Mais genre, c'est le truc où vous serez le moins déçu, franchement, je pense. Perso, moi j'aime bien le t-shirt, je suis les cute. Mais enfin, personnellement, moi j'aurais pas pris. Enfin, c'est pas un truc que j'aurais pris, mais. Et pourquoi tu l'aurais pas pris? Je sais pas, le motif, Pas, moi, c'est je beau, mais c'est genre, enfin, tu vois? Ouais, c'est pas ton délire. Ok, voilà. Mais, et aussi, s'il y avait pas de motif, on aurait tout compris à tout. Ah ouais? C'est transparent? Ouais. Moi, j'avais commandé des t-shirts blancs et on Putain, c'est triste. Retenez bien ça. Prenez des t-shirts avec des motifs. Bref, j'ai un t-shirt noir avec genre tous les croissants de lune et je sais pas où est-ce que je l'ai mis, il doit être sale ou je sais pas, parce que je l'ai déjà porté. Mais il est très sympa aussi. Enfin, ensuite, j'ai commandé une brassière de sport, mais je vais pas vous montrer comme ça. Et j'ai commandé un maillot de bain aussi. J'ai pris. En fait, c'est un 3 pièces dans le sens où il y a un haut triangle rouge et il y a deux culottes en fait, genre possible. Il y en a une qui se resserre et une qui se resserre pas. Donc, celle qui se resserre pas, comme je m'y attendais, elle est trop grande pour moi. Et celle qui se resserre, elle va bien. Et j'aime bien la couleur, genre il est rouge, je vous mettrai une photo de la mannequin. Enfin non pas de la mannequin parce qu'il n'y a pas de mannequin sur le maillot de bain. Bref, je vous mettrai une photo du maillot de bain. Mais bah Thaïs, elle a fait enfin, ma soeur du coup elle avait acheté aussi des maillots de bain et c'est très variable les tailles apparemment. Après ça on peut pas trop prévoir donc voilà. En tout cas moi enfin ça va genre. Elle avait acheté un truc genre tous la même taille. Il y en avait un le haut il était hyper grand et il y en avait un le haut genre c'était vraiment un truc que tu peux même pas cacher les tétons frère. Du coup c'est la fin de cette vidéo parce que je crois que j'ai pas d'autres articles à vous présenter. Mais voilà, c'est un peu une déception parce que du coup il y a beaucoup de trucs où je m'attendais à mieux. Mais bon, en soi, je vais pas renvoyer non plus toute la commande, donc ça va. Mais du coup, faites attention si vous commandez chez In. Je suis un peu déçue, mais en soi, ça passe. Quoi. Moi aussi, je tiens juste à dire parce que j'ai commandé des accessoires et il y a un accessoire qui ne va pas. Et en fait, des accessoires, on ne peut pas les rendre. Donc, c'est quoi comme accessoire? Moi, c'était une ceinture. Et pourquoi elle te va pas? Elle pue, vraiment elle pue. Ça... Et en plus, la matière, je sais pas, genre. C'est chez vous. Mais peut-être que toi, c'est ça. Ouais, je regarde. Mais ouais, du coup, faites attention quand vous commandez. T-shirt valeur sûre. Les bas, essayez d'éviter. Prenez des trucs qui se resserrent pour les bains, les jogging, les trucs comme ça si vous en prenez. Et voilà. Et faites attention parce que il y a beaucoup de vêtements qui sont transparents. Je vais dire. Over.